Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires avec des grenades ou un lance-grenade. Alors il faut savoir que les lance-grenades vous allez pouvoir les obtenir dans des coffres, dans des ravitaillements, mais vous pouvez aussi les obtenir dans les requins. Donc moi l'objectif c'est que je vais essayer d'en obtenir un dans les requins. Donc pour ce faire je vais me rendre, attendez hop, pourquoi je ne peux pas utiliser mon ping? C'est quoi cette histoire encore? Hop, hop. Voilà. Je vais me rendre ici, à côté du sanctuary. Donc, juste à droite de du sanctuaire. Et là, logiquement, il y a plein de requins autour. Donc, regardez, il y en a déjà un là-bas. Donc là, je vais d'abord aller m'équiper en armes. Et je vais essayer d'obtenir un lance-grenade en tuant un requin. Parce que normalement, on peut en obtenir un comme ça. Donc, je pense que la meilleure astuce pour obtenir un lance-grenade, c'est de tuer les requins. Parce que les ravitaillements sont en fin de game. Ah, bah regardez, j'ai obtenu un requin. Un lance-grenade dans un coffre, donc voilà. Mais je vais quand même essayer d'en obtenir un dans les requins, parce que dans les coffres, c'est un peu compliqué d'en trouver, je pense. Et ben, les requins, je pense que c'est la meilleure solution pour en trouver. Après, vous pouvez bien sûr réaliser le défi avec des grenades, mais ce sera beaucoup plus difficile. Mais après, c'est quand même réalisable. Donc là, je vais m'équiper en armes pour aller attaquer le requin. Donc c'est parti. Ok, donc là, normalement, je suis assez équipé pour aller attaquer le requin. Donc il faut savoir que là où je me trouve, bah, il y a plusieurs requins. Normalement il y en a au moins 3-4, voire même plus. Donc là je vais aller vers le requin que j'avais vu tout à l'heure. Ok, il est juste là. Parfait, on va l'attaquer. Hop, je suis un peu loin je crois. Ok, c'est bon, je le touche. Et on va voir s'il va me donner un lance-grenade ou pas. S'il m'en donne pas, je tuerai un deuxième requin. Et ensuite, je tuerai un troisième requin. Donc, il est déjà de rareté violette. Donc, de la rareté épique. On peut le voir à la couleur de sa gueule. Hop. Et voilà. Donc là, il m'a pas donné de lance-grenade. Donc, je vais essayer d'aller tuer un autre requin qui est juste là-bas. Regardez, il y en a un deuxième là-bas. C'est parti. Et on va voir si celui-là me donne... Un lance-grenade. Après, vous, comme je vous l'ai dit hein, au début, vous pouvez en trouver dans les largages de ravitaillement. Vous pouvez en trouver dans les coffres. Mais là, on va tester vraiment si ça fonctionne avec les requins. Bon, j'ai pas l'air de lui faire beaucoup de dégâts là, ça ne va pas. J'ai dû garder mon autre arme. Ok, donc normalement là, je vais le terminer. Voilà. Et là, il me donne toujours pas de lance-grenade. C'est peut-être parce que j'ai un lance-grenade équipé sur moi qui veut pas m'en donner. Donc, je vais aller voir un dernier requin. Et on verra bien. Sinon, bah, ça veut dire que les requins ne vous donnent pas spécialement, plus facilement, des lance-grenades. Si le troisième me donne pas de lance-grenade, c'est que, bah, en fait, c'est peut-être pas les bons bails. Donc, la meilleure solution, c'est de le trouver dans un coffre. Ou alors de tuer un adversaire. Ou alors, encore, réaliser le défi avec une grenade. Parce que... En réalité, vous devez faire exactement, attendez, je regarde, 75 de dégâts à un adversaire. Donc, on va tester un truc. Donc là, il y a un requin, je le tuerai juste après. Oh là, calme-toi, mon grand. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une grenade sur un bot. Je pense que la grenade, elle fait 75 de dégâts, justement. Donc, on va tester ça. Ok, je l'ai peut-être mal lancé. Après, les grenades, c'est quand même compliqué à gérer en vrai. Hein. Je sais même pas si je vais le toucher. Ah bah non, je l'ai pas touché. Donc, je saurais même pas vous dire combien de dégâts ça fait la grenade. Par contre, là, il faut que je les tue avant qu'il me dérange. Attends, on va regarder le lance-boulette, combien il fait de dégâts. 74. Donc, avec une seule grenade de lance-grenade, bah, vous faites votre défi, quoi. Enfin, presque. Parce que c'est 75 de dégâts. Là, j'ai fait 74. Donc voilà, c'est presque 75, quoi. Donc là, je vais recharger mes armes. Et je vais aller tuer le requin.
Ok, donc là, je l'ai bientôt terminé. C'est bon, je l'ai terminé, mais il ne m'a toujours pas donné de lance-grenade. Donc après 3 requins tués, pas de lance-grenade. Je pense qu'il y a une chance d'en obtenir, mais très très minime. Je ne sais pas si c'est fort avantageux d'attaquer les requins. Après, vous pouvez toujours essayer. Regardez, il y en a encore un là-bas. Il y en a vraiment un peu partout dans cette zone. Donc voilà, c'est la meilleure zone où il y a le plus de requins. Ou alors, ben, ce que je pense... c'est que les lance-grenades se trouvent plus facilement dans les ravitaillements, donc dans les largages de ravitaillement. Je pense que là, vous avez de grandes chances d'en obtenir. Ou alors ben, dans les coffres, mais ça, je pense que ce sera un peu plus rare. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Quand vous aurez infligé 75 de dégâts à un adversaire, ben, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. J'espère que cette vidéo d'information ben, vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh.